بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لوانج à Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux que le salut et la paix d'Allah soient sur le prophète Mohammed son serviteur et son messager chers frères et sœurs en islam ce jour vendredi 1er avril 2022 correspondant au 29 Chaban 1443 de l'année hégirienne. Le bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous annonce que la nouvelle lune indiquant la fin du mois de Chaban et le début du mois de Ramadan a été aperçue. Ainsi, conformément aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de notre communauté, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1443 de l'Hégire est le samedi 2 avril 2022. Les prières de Tarawih, dites « Ashamu » seront effectives ce soir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Allah est le plus grand. Je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de toutes les Béninois, et en particulier à l'endroit de toute la communauté musulmane béninoise, de bien vouloir prier inlassablement pour la paix dans le monde entier, la paix en Afrique, la paix au Bénin et la paix dans nos familles. Puisse Allah, le garant de la paix, ramener la stabilité dans tous les pays de la sous-région, aux peuples qui souffrent de la guerre en Ukraine et continue de soutenir ceux qui vivent la même chose en Palestine. Nos yeux et nos cœurs doivent être ouverts à toute injustice humaine. Puissions-nous tous nous considérer comme des êtres humains nés égaux en droit, en devoir et en dignité au-delà de la politique, au-delà de la race, au-delà de la religion. Nous demandons à Allah de nous accorder le Ramadan et de nous faciliter le jeûne qu'il nous apporte dans ce mois béni de Ramadan, la foi, le salut et l'islam et la réussite. Puisse Allah, le clément, le miséricordieux, faire régner en permanence la concorde, la tolérance entre les citoyens de notre pays et nous épargne des tentations. Chers frères et sœurs, dans la foi, je vous remercie. Vive l'islam, vive le Bénin. Bonne période d'adoration à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos remerciements à l'AMAI pour le cadre qui a offert au Bénin pour ces réunions. Qu'Allah leur soit reconnaissant.